Yo Jimpika, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les amis. Une vidéo que j'ai vraiment hâte de tester, qui va être vraiment what the fuck. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on va essayer d'infiltrer une famille de bébés canards les gars. Une famille de canards tout court. On va essayer de trouver des canards et de rentrer directement dans leur famille, essayer de s'intégrer. Comment, vous allez me dire, comment on va réussir à faire ça? Grâce à ça. Regardez, j'ai acheté un canard les amis en plastique. Sauf que le truc les amis, c'est que regardez, j'ai pensé un truc dans ma petite tête. Moi j'ai souvent des idées comme ça. Ce qu'on va faire, c'est que regardez, j'ai pris un bateau électrique les gars, un petit bot électrique qui va super vite. Et du coup je me suis dit quoi, bateau plus canard, boum, canard électrique à bateau. Ouais, ça peut être bien franchement. Et du coup ce qu'on va essayer de faire, c'est de fusionner ce canard avec ce bateau pour rendre ce canard télécommandé et plutôt vivant. Ou plutôt vivant, exactement, il va vivre. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu rigoles toi? Allez, ton truc suprême, ton extincteur suprême que t'as payé très cher, 1 000 000 d'euros. On va bricoler tout ça, on va même mettre une GoPro pour essayer de voir la famille et tout, ça va être vraiment trop bien. Du coup, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. On part en agent 007, famille de canards les amis. J'espère que vous êtes chauds, n'oubliez pas le pouce bleu, de commenter et surtout de vous abonner les amis, c'est très important. Abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos. Étape numéro 1. Canard, fusion, bateau. Bon, étape numéro 1 les amis, faut fusionner ce canard avec ce bateau. Mais faut bien le fusionner, faut pas faire un truc vite fait bien fait parce qu'on va bien voir frérot. Faut faire les choses bien les gars, pourquoi? Parce qu'en fait si jamais je fais mal le truc, le canard il va couler. Ça va plus être un canard, ça va être un sous-marin. On va ouvrir ce bateau. Voilà. La petite antenne, la petite télécommande, les petites batteries. Polythium. Là les gars, maintenant qu'on en est ici, va falloir découper ce canard pour pouvoir rentrer le bateau à l'intérieur. Est-ce que tu crois que le bateau il rentre à l'intérieur du canard? Bah moi j'ai plus peur pour le canard, parce qu'il va avoir mal si tu le découpes. Oh là là, mais Pierre il est mort. Ah, il est mort. Mais vas-y, charcute-le. Découpage de canard les gars, est-ce que vous êtes prêts? Je découpe bien en fait le canard. Et par contre j'espère que ça va marcher hein. J'espère qu'on va trouver déjà une famille de canards. Et j'espère qu'on va réussir à les approcher avec une GoPro et tout. Maintenant faut prendre je pense un pistolet à colle, le venir et le poser comme ceci. Et on appellera ça le canard 2000. Maintenant est-ce que notre bateau on le découpe? Genre on le découpe pour essayer moi, de bien le rentrer. Moi je prends pas le risque. Tu prends pas le risque? Parce que le bateau il est fait, quand il a été construit il a été fait pour bien être dans le... Je commence à le découper. Parce que quand je vais arriver vers eux, je vais faire comme ça. Coin. Là y'a rien qui va pouvoir arriver à notre Daffy Duck, il va pas couler mon gars. Là mon gars ça va être énorme. Ça se trouve les canards ils vont me confondre avec un vrai mec de leur famille. Ils vont m'amener dans leur cabane là, dans leur maison. Ça se trouve il y a même un mâle canard qui va essayer de me ken. Oh il va essayer de te ken, fais un trou. Les gars regardez notre canard bateau. Alors le canard est là, le bateau est là. Le seul truc c'est que j'ai vraiment peur en fait qu'il chavire. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire des boudins en polysirène. Comme ça il va pas couler, il va rester droit. Même s'il est un peu plus lourd d'un côté ou d'un autre, il va rester droit sur l'eau. Ben voilà, regardez, on a mis nos petits supports et comme ça, c'est parfait. Là, quand les autres canards vont voir ça, ils vont se dire, ouais, il est chou ce canard. Mais non, t'inquiète, c'est juste, c'est pas trop bien nagé, tu vois, du coup, il a mis des brassards. Ah, il a mis des brassards. Ouais. Bon, est-ce qu'on va tester ça dans l'eau? Ouais. Attends, je vais déjà allumer l'eau ici, on va faire le test dans le grand bassin. Bon, est-ce que tu es prêt? Ouais. Est-ce que le canard il flotte? Oh. Et là, ça a l'air d'aller. Un petit bleu pour moi. T'es prêt? 3, 2, 1. Il fait même marche arrière. Et en plus le bruit du moteur, on dirait que c'est un canard qui fait coin coin. C'est nickel non? Bon use pas la batterie mais ouais c'est nickel sinon. Ok les gars, maintenant que notre canard marche, genre le bateau il marche, il est fusionné, ça flotte, c'est parfait. Maintenant faut installer la caméra. Regardez les gars, là on a une petite GoPro Hero 5 qui va faire l'affaire pour cette vidéo. Ce que j'hésite à faire c'est est-ce que je colle ça ici? Ou est-ce que ça va faire trop remarquer? Et est-ce que je mets ça comme ça ici? Moi je dis mets ça comme ça ici, avec un double scotch double face. Donc les gars ce qu'on va faire c'est que déjà on va regarder l'angle. Franchement après j'ai la grosse tête du canard devant tu vois. Oh trop stylé. Tu vois? Ok! Bah voilà, GoPro à 100% sur le canard. Pas mal. Regarde, juste là. Oh putain. C'est nickel. J'ai tellement hâte de souvenir. Bon, les amis, notre canard espion qui va infiltrer une famille de canards est prêt. Regardez comme il est beau. Franchement, il est super classe. J'espère que ça va marcher. J'espère qu'on va trouver des canards. Et j'espère qu'on va réussir à l'infiltrer. C'est parti, t'es prêt? Je suis prêt. C'est parti, let's go! Les gars, regardez, c'est ici qu'on va mettre notre canard espion. Allô, et regarde ce qu'on a là. Un petit ragondin. Qu'est-ce qu'il est mignon. Donc regardez les potes, là-bas il y a une famille de canards, il y a vraiment beaucoup de canards. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre le canard espion à l'eau et on va voir si on va réussir à les approcher. J'ai une verte. Vous êtes prêts? Bon les gars, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. J'allume la GoPro, c'est parti. GoPro, canard en marche. Je vais mettre le canard à l'eau. Les gars, vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti.
de canard. Oh, il va aller avec sa famille de canard. Le choc du titan. Oh non. Pierre. Mon canard il s'est retourné. Mais non, il y a ma GoPro. Pierre, il y a ma GoPro. Si ça se détache, ta GoPro tombe dans l'eau. Ça marche plus? Mais non, ça marche plus. Canard est mort. Canard est mort. Bon les amis, on a réussi à récupérer le canard qui est juste ici. Bon, le problème c'est qu'il est pas assez équilibré. Du coup, on va essayer de trouver un système pour l'équilibrer. Mais là, du coup, on a fait peur à tous les canards. Tu vois. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger pour voir s'il y a d'autres canards. Ok les potes, regardez ici, on a d'autres canards. Et en plus, j'ai l'impression qu'ils font dodo. Du coup, parfait, je vais pouvoir m'introduire dans leur nid, m'introduire dans leur famille, quoi, et voir s'ils captent quelque chose. Let's go, baby. Deuxième essai. Va doucement, va doucement. Attention, il va rejoindre sa famille. Allez, go. Attends, est-ce que je vais réussir pour ce dernier essai? Allez, la famille de canard est là-bas, les gars. Elle est là-bas. On va y aller. J'arrive, les potes. Ils n'ont pas l'air de bouger. Oh, ils viennent. Non? Il y en a qui commence à venir. Allez, on va rejoindre la famille. On va rejoindre la famille de canard. Eh, hey, salut mon pote. Comment t'as rejoint? Ils ont rejoint la team. Vas-y, et va les voir eux. Oh, y'a un canard qui va à côté. Ça veut dire qu'il t'a accepté, gros. Y'a même des canards là, regarde. Oui, il m'accepte. Il t'accepte? Non. Quand tu vas, t'es trop lent, ouais, il bloque. Attends, vas-y, tire maintenant. Ouais, t'es grave beau, putain. Il a coulé, les canards. Moi, je dis, regarde, là-bas, il y a plein de canards. Faut aller là-bas. Bon, c'est parti. Quatrième essai, j'espère que là, ça va être bon. Allez, go. Elle regarde trop mal, là. Regarde, il y a le canard, elle regarde trop mal. Elle dit, c'est pas de la famille, ça. Il ressemble un peu à mon oncle Roger, mais... Arrête-le. Nope. Petit canard, moi, putain, mais je suis le vilain petit canard. Il est où, les gars, les meufs? Moi, je dis, t'arrives à les approcher d'un mètre, c'est déjà pas mal. C'est bon, c'est bon. Ils te font du cul, toi. Bon, un poulet va se rendre à l'évidence qu'ils veulent pas de toi. Hein. Putain, il me fait chier, ils veulent pas que j'intègre leur famille, quoi. Je suis deg. Et je suis deg, pourtant, on regarde. Mon cas vu de loin comme ça, on dirait un vrai canard, non? Ouais, avec une GoPro. Je pense que c'est la GoPro. Ils sentent la GoPro qu'il y a une douille comme ça. Bon, ben les amis, je suis deg, franchement. Je suis deg. Ça a pas marché. J'ai pas réussi à infiltrer ma famille de canards. Enfin, on a quand même réussi à les approcher d'un mètre, hein. Ouais. Mais je pense que c'est la GoPro. La GoPro, ça aura fait peur. Oh putain. Allez, Manon, ramène le canard. Ramène la fille. Allez, Manon, donne tout. Non. Non. Le canard est cool. C'est une fin de vidéo les amis, j'espère que vous avez kiffé cette infiltration de canard qui est ratée. Conclusion de la vidéo. Conclusion, cette vidéo est nulle. Voilà. On n'a pas réussi à infiltrer une famille de canards, moi je voulais carrément les toucher, tu vois. Je voulais qu'un canard il me fasse même un bisou. Mais j'ai pas réussi, peut-être que dans un prochain épisode on essayera parce qu'il me reste encore un canard les amis chez moi. Du coup pourquoi pas essayer, voilà, on essaye de mieux traficoter tout ça. Je pense que ça peut le faire. En tout cas les amis, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. En tout cas je vous dis à la prochaine, c'était Pika, je vous kiffe, peace.